vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Shein. J'ai reçu en partenariat des vêtements, mais pas que. J'ai pris pas mal de petites choses pour l'organisation de la maison et plus particulièrement l'organisation de tous mes bijoux. Je vais vous montrer tout ça et le vlog qui sortira mardi soir, vous aurez toute l'installation. Donc j'espère que ça vous plaira. Niveau vêtements, comme d'habitude, je vais essayer avec vous. Je risque de couper des fois parce que je suis complètement prise de la gorge. Je ne sais pas si je suis malade ou si c'est la cigarette, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, comme d'habitude, je vous mettrai les vêtements portés du site ici avec le prix et ensuite je vous porterai les quelques vêtements que j'ai pu prendre. Je ne sais même plus trop ce que j'ai pris, franchement. Je vous les porterai avec une voix off, comme d'habitude. On commence. J'ai pris ceci, donc dans la catégorie salle de bain. Je ne sais pas vous, mais alors moi, je suis... pas du tout souple pour est-ce que je vais faire avec. Donc je vous disais, je suis pas du tout souple pour nettoyer mon dos et moi j'ai un dos qui me gratte régulièrement et pour le nettoyer correctement j'ai trouvé ceci et je trouve ça plutôt pratique. Elle a l'air d'être plutôt pas mal, donc c'est une fleur de douche et au moins pour se nettoyer dans le dos, ça va être trop du bonheur. J'ai hâte de la tester. Je vous en reparlerai bien entendu dans les vlogs ou dans mes favoris flops. Parce que ça se trouve, ça va être un flop. Hein. Mais ça a l'air de bien tenir avec le plastique, etc. Donc, je ne sais plus s'il y avait plusieurs couleurs. Mais voilà, j'ai reçu la rose. Ensuite, toujours dans la catégorie maison, j'ai pris ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une lumière LED. Donc, je ne sais pas si je vais la garder pour moi ou si je vais la donner à nos amis pour la chambre de Colline. Parce que je trouve ça trop, trop mignon. Alors, c'est tout simplement un petit comme ça, un petit arc-en-ciel. Donc, je vais mettre des piles et je vais vous montrer, je vous mettrai une vidéo juste ici de comment ça s'allume. Mais je trouve ça trop mignon pour une petite chambre ou quoi. Et je pense que si c'est sympa, je la donnerai à nos copains pour qu'ils la mettent dans la chambre de Colinette. Vous savez, c'est nos amis qui ont une petite fille de 1 an. Et je trouve ça trop sympa. Vous avez plein de modèles. Dans cette collection-là, vous avez une bouche, un nuage, l'arc-en-ciel, une licorne, un palmier, une lune, un chat, un escarpin ou un cœur. Et franchement, je trouve ça plutôt chouette. Vous pouvez choisir les coloris. Moi, j'ai pris multicolore, mais il existe en rouge, bleu, rose, vert, jaune, blanc et violet. Et moi, je trouvais ça plutôt sympa en multicolore. Donc, je trouve ça plutôt canon. Et ce n'était pas très, très cher. Parce qu'on peut trouver ce genre de déco en France, mais à des prix qui font un petit peu mal. Ensuite, je crois que ça, c'est une catégorie rangement. Donc, j'ai pris ceci. Ouais, c'est cool. Pour ranger toutes mes boucles d'oreilles. Il faut que je trouve un système pour les boucles d'oreilles et je pense que ça, ça peut être pas mal. Vous voyez, c'est une tour, là vous avez le socle et c'est tout simplement une tour, vous pouvez en mettre vraiment pas mal. Je vous mettrai ici combien de paires de boucles d'oreilles vous pouvez mettre et je trouve ça plutôt sympa, ça a l'air d'être assez simple de montage. Vous avez en tout 4 côtés, donc pareil, ça vous aurez vu la photo. Mais je vous montre ça dans le vlog de mardi parce qu'on va ranger ensemble toute ma pièce beauté. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. On continue avec les vêtements. Donc j'ai pris ceci et je l'ai pris en 4XL. C'est un petit haut avec des manches un petit peu bouffantes, comme ça. Assez léger et un petit col, vous voyez, comme ceci. Là, il y a une armature juste ici pour que ça tienne bien au niveau du décolleté. Donc, il est noir. Par contre, il me paraît un poil court. Donc, à tester au pire, s'il me va, mais qu'il est un peu court, à mettre dans un short, dans une jupe ou dans un pantalon. Mais il me paraît vraiment court pour du 4XL. Donc, je rappelle que les vêtements, moi, en France, je prends du 50-52 chez Kiabi ou quoi. Et souvent, sur... Chine, je prends du 3XL ou du 4XL, mais référez-vous toujours au tableau des tailles de chaque pièce que vous choisissez parce que c'est vraiment, vraiment bien noté. Moi, quand je prends une pièce, le plus que je regarde, c'est le tour de poitrine et la longueur du vêtement parce que j'aime pas quand c'est trop court. Mais là, il me paraît, franchement, il me paraît un peu juste. On verra bien, on ne sait jamais, des fois sur un malentendu.
ça peut marcher. J'ai voulu tester ceci, un sous-vêtement. Vous me demandez souvent qu'est-ce que tu penses des sous-vêtements. Et le peu de fois que j'ai pu tester des sous-vêtements, j'ai été déçue. Là, j'ai pris une petite brassière en 4XL, comme ceci, qui fait un petit peu sportif. Mais je me dis que si ça peut tenir correctement, ce que j'ai peur, c'est que comme les bretelles ne sont pas du tout réglables, soit que ce soit trop grand, soit trop petit. Par contre, la brassière, elle est magnifique. Elle est toute en dentelle. Elle est doublée au niveau de la poitrine. C'est vraiment très, 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 très joli. J'espère que ça va m'aller parce que je trouve ça chouette, mais je sens que ça va être trop petit. On verra bien à l'essayage, mais je trouve ça canon. Et si vous n'avez pas des fortes poitrines ou quoi, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Mais pour les fortes poitrines, je ne trouve pas que Shein soit extraordinaire. Je préfère vous dire la vérité. Mais j'ai voulu tester cette brassière parce que je l'ai trouvée cadeau. Ensuite, autre vêtement, toujours en 4XL. Donc, les vêtements sont toujours dans des petites pochettes comme ça, plastique. Moi, j'en garde régulièrement pour mettre tout ce qui est maillot de bain, etc. Quand on va à la plage ou à la piscine, c'est hyper pratique une fois que c'est mouillé. Donc, j'ai pris ceci pour aller avec un palazzo que j'ai beige. Et j'ai pris ceci, un peu vermint. C'est un petit débardeur avec les bretelles réglables. Donc, ça, c'est cool. Il m'a l'air plus long devant que derrière, donc ça peut être pas mal non plus. Devant, il est, vous savez, pas forcément doublé, mais il est plus foncé devant que derrière. Voilà, je le trouve vraiment sympa, cette petite couleur. Je trouve que c'est très, 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 très été, printemps. Donc, à tester également. Ensuite, on continue avec les vêtements. Hein. J'ai pris ceci toujours en 4XL, ça faisait très longtemps que j'en avais pris. C'est un body. J'ai pris un body vert, pareil, parce que je voulais voir avec le palazzo, j'avais envie de vert. Vous le voyez bleu, mais il n'est pas du tout bleu. Hein. Il est plus entre le... Ça fait plutôt bleu canard, on va dire. Vert canard, bleu canard. Mais vous le voyez plus bleu qu'il ne l'est. Avec un col rond que j'aime beaucoup, un style de Marcel. Et ça, je trouve pour l'été que c'est vraiment cool. Ça m'a l'air assez large au niveau des bras. Hop, il se présente comme ceci. Il est assez simple. La matière, c'est un peu matelassé. Et vous pouvez le fermer en bas. Mais je vous le rappelle, au cas où vous venez d'arriver sur ma chaîne, moi, je les enlève jamais parce que je ne sais pas les remettre. Donc, quand je l'enfile par les jambes. Et quand je vais aux toilettes, j'enlève tout. Voilà, comme ça, je me retrouve à poil aux toilettes. Que voulez-vous, c'est comme ça. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. La matière, je vais vous dire, il y a de l'élastane dedans, c'est, je pense... Il y a 65% de coton, 30% de polyester et 5% de spandex. Je suis désolée, j'arrête pas de tousser. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa en espérant qu'il m'aille. Ensuite, toujours au niveau vêtements, je ne sais même plus ce que c'est, en 4XL. Bon, déjà la matière, c'est pas ce que je préfère, je vous le dis. C'est une robe. Je ne me rappelle pas du tout avoir pris ça. Ouais, on verra bien, mais franchement, je ne suis pas comme ça, non. C'est une robe, déjà le col, il n'est pas ouvert, je pense pas que je vais bien aimer, qui me paraît assez long comme ça. C'est un tissu hyper élastique. Vous avez quelques froufrous comme ça, là. Ça fait... Ah oui, ça fait comme si c'était une robe, vous savez, portefeuille. Ah bah oui, elle est portefeuille. Écoutez, vaut mieux de l'essayer que de l'avoir comme ça. De l'avoir comme ça, franchement, ça donne rien de ouf. Vous avez une petite ceinture pour ceinturer le tout. À tester, peut-être que là, je suis déçue et au contraire, ça va être canon. C'est un tissu qui est assez lourd. Je comprends pas, par contre, que j'ai pris ça parce que le col, moi, j'aime pas, vous savez, les cols qui montent. Écoutez, on va tester. Ne critiquons pas avant d'avoir testé, mais j'y crois pas du tout. Ensuite, niveau rangement, je me suis repris un rangement bijoux et cette fois-ci pour les bagues parce que j'ai énormément de bagues. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu pas mal de partenariats bijoux ou que j'en ai acheté pas mal sur des small business. Je vous mettrai les vidéos dans les petits i si vous voulez. Et ce genre de petit rangement, ça ne coûte rien du tout. Sur Shein, vous en avez pour tout, pour les bagues, pour les bracelets, pour les colliers et aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup et c'est hyper pratique. Et je trouve que c'est hyper bien rangé. Donc pareil, à voir dans le vlog de mardi. Ensuite, toujours rangement bijoux. Parce que oui, là, ce sont des rangements plus
comment, collier. Donc, c'est dans un petit pack. Et dedans, il me semble que vous avez 9 petites tringles à coller sur les murs, si ça vous gêne pas. Moi, ça me dérange pas. Sur les murs ou sur un meuble. Donc, je vais vous montrer. Pareil, ça coûte pratiquement rien. Et j'ai vu d'autres rangements, franchement, hyper, hyper, hyper sympas. Donc, vous avez les petits bandeaux de colle, vous savez, à coller derrière les petites tringles. Et dedans, vous avez 3 sortes. Donc, on va commencer avec la première sorte. Donc, celle-ci, je pense que c'est pour les colliers. Vous voyez, ce sont des petits pics. C'est vraiment du plastique, hein. C'est pas, y a rien de ouf, hein. Là, c'est pour des bagues. Vous pouvez mettre des bagues, mais moi, je vais vraiment m'en servir que pour les colliers. Et là, pareil, je pense que c'est pour des boucles d'oreilles. Oui. Rings, earrings, earrings, c'est boucles d'oreilles, donc oui. Donc, mais pareil, moi, je vais vraiment m'en servir que pour les colliers, je pense, et les bracelets, parce que j'ai pas mal de petits bracelets. Et vous avez trois lots identiques, en fait. Donc, ça vous fait 9 barrettes, mais je trouve ça hyper, hyper pratique à ranger. Et... voilà, ça coûtait pas très cher. Si vous cherchez des rangements bijoux, allez sur Chine, vous en avez des tonnes et des tonnes. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est pour nettoyer tout simplement les petits recoins. Donc, j'ai pris 3 lots. Et notamment, nettoyer, vous savez, les toilettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois, il y a des petits recoins au niveau des toilettes où vous avez la bas dans le toilette. Et je trouve que c'est extrêmement mal nettoyé à chaque fois. Et que là, vous passez votre, vous mettez un peu votre désinfectant, détergent, etc. Vous nettoyez. Et je pense que ça peut être parfait au lieu de s'embêter avec un couteau. Donc, je vais tester et je vous en reparlerai. J'en ai reçu 3 lots. Dedans, vous en avez 7 petites bandes. Donc, 3 lots. Pareil, je vous en reparlerai dans le vlog si c'était plutôt pas mal. Ensuite, niveau maison, objet, etc. J'ai voulu tester ceci. Vous savez, c'est un... Guaisha, il me semble. C'est tout simplement un objet de massage pour le visage. On connaît tous maintenant les roll-on, vous savez, au quartz rose. Et bien là, c'est à peu près le même style. Ce qui est bien, c'est de pouvoir le mettre au frais. Et le soir, en mettant votre sérum, de le passer comme ceci. Vous voyez? En fait, ça doit tirer la peau. Et il paraît que ça vous donne une carrure au niveau de la mâchoire qui peut être pas mal. Pareil au niveau des yeux, je crois qu'il y a au niveau du nez, etc. Bon, j'ai voulu tester, franchement il a l'air pas mal, il est vraiment en verre, c'est pas du plastique. Et ça, faut que je le mette au frais pour pouvoir le tester avec du sérum. On testera. Et pour terminer, j'ai 2 paires de chaussures, dont je les ai pris en taille 41. Tout d'abord, j'ai pris une petite paire de basket noir pour aller avec mes petites robes, jupes, etc. Moi, j'aime bien porter mes robes, jupes avec des baskets en espérant qu'ils maillent. J'ai pris 41. Je prends toujours une taille au-dessus minimum chez Shein. Sinon, je trouve que c'est beaucoup trop petit. Si ça me va pas, écoutez, je les donnerai à Clara. Je pense qu'elle aimera bien. Ce sont des baskets assez simples, toutes noires avec la semelle blanche. Donc, voilà pour la première paire de chaussures. Et la seconde paire, pareil, je l'ai pris en 41. Mais alors, la couleur, je suis carrément déçue. Je trouve que ça n'a rien à voir comparé à la photo du site. Ce sont des sandalettes comme ça, vert émeraude, rouge. Là, vous avez un peu de bleu gris. Et sinon, elles sont toutes dorées. Pareil, comme d'habitude, ce sont des fermetures, vous savez, asiatiques. Donc, il vous suffit de mettre... Hop! Et de faire comme ça. Donc, je vous disais, il vous suffit de régler ça à la grandeur que vous voulez. Et ensuite, hop, on met ceci comme ça, on tire et c'est fermé. Et ça tient réellement bien. J'en ai plein de ce genre. Et ça tient vraiment bien. À tester, en espérant que ça maille. Ça peut être sympa, mais je trouve que les couleurs, c'est pas les plus jolies couleurs, quoi. Maintenant, avec un jean ou quoi, ça peut faire très bien l'affaire, on va dire. Bref, donc voilà pour tout ce que j'ai eu en partenariat. On va tester les vêtements ensemble en voix off et on se retrouve. Donc, on commence avec la petite robe portefeuille. Alors, pour celle-ci, j'attends vos avis parce que en même temps, j'aime bien et en même temps, je ne sais pas si je suis à l'aise dedans, si elle me va. J'attends d'avoir un œil extérieur, donc le vôtre, en commentaire pour voir si je la garde ou non.
Je la trouve très très jolie, même si la matière, c'est pas ce que je préfère. Le nœud, franchement, est vraiment vraiment canon parce que la ceinture est très large. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, soit vous pouvez mettre devant, soit vous pouvez faire tout un tour derrière. Moi, je préfère comme ça sur le côté. Je trouve ça plus classe, plus joli. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Et finalement, le col comme ça me gêne pas tant que ça. Même si j'aurais préféré un petit col V, il me gêne pas tant que ça. Ensuite, je vous ai mis un palazzo que j'avais pour vous tester quelques vêtements. Et là, je teste le body. Et franchement, j'aime beaucoup ce body. Pour l'été, je pense qu'il est hyper, hyper agréable. C'est une matière plutôt sympa, très large sous les bras. Donc attention au niveau des sous-vêtements. Le col comme ça, moi, j'aime bien. Vraiment, je me sens plutôt à l'aise dedans. Même si, je dois vous l'avouer, il va pas forcément avec mon palazzo beige. Mais je vais trouver quelque chose qui ira très, très bien avec ça. Ensuite, on passe au petit débardeur, vous savez, très très clair. Et bah écoutez, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu plus long derrière que devant, mais vraiment très très peu. On est très à l'aise dedans, ma poitrine passe nickel, même au niveau du ventre, vous voyez, ça me sert pas du tout. Les bretelles sont réglables, donc c'est plutôt cool. Là, je l'ai enfilé comme il était réglé à la base. Mais j'aime beaucoup ce genre de petit haut. Et je vais regarder s'il existe en d'autres coloris, parce que je suis plutôt à l'aise dedans. Ensuite, le petit haut noir. Écoutez, j'adore ce col carré avec cette petite ouverture. Les manches bouffantes, je trouve ça très joli. Maintenant, je trouve un poil court, c'est vrai. C'est un peu dommage. Il manque 3 cm. Franchement, c'est très peu, hein, 3 cm. Mais ça peut faire toute la différence. Par contre, je vais le garder parce que je pense que je le porterai avec un petit pantalon taille haute et ça fera très très joli également, mais je le trouve vraiment vraiment sympa et surtout pour le prix qui coûte quoi. Ensuite, on passe à la petite, vous savez, brassière. Donc, j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous. Sinon, la brassière ne me tiendrait pas du tout, du tout la poitrine. À toutes celles qui me diront que je les offense à tester des sous-vêtements, c'est comme si j'étais en maillot de bain. Hein. Bref, elle est vraiment, vraiment canon. Je pense par contre qu'au fur et à mesure, les bretelles, vous savez, l'élastique s'enlèvera, quoi. Ensuite, la petite sandale, eh bien écoutez, elle est vraiment chouette. Les couleurs, c'est pas les teintes que je préfère. Je trouve que les couleurs font un peu cheap. Mais je trouve que pour l'été, ça habille le pied. Et avec un pantalon tout simple, une tenue toute simple, ça peut faire très très sympa. Et la paire de petites baskets, pareil. Donc là, je l'ai mis sans chaussettes. Parce que j'avais la flemme d'aller chercher une paire de chaussettes. Mais avec une paire de chaussettes, ça sera bien mieux. Parce que je pense que ça peut m'abîmer au niveau du talon. Mais on est hyper à l'aise dedans. Elles sont très légères. Donc, je vous recommande ça également. Donc voilà, j'ai pu essayer les vêtements avec vous. J'attends vos avis en commentaire. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, je vous le redis. Maintenant, vous avez le droit à moins 15% sur tout le site, toute l'application. Même s'il y a des soldes, c'est cumulable avec le code qui s'inscrit juste ici. Je vous le mets en barre d'infos. Il est en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Ça ne me rapporte rien. Ça me rapporte, pour être sincère, de la visibilité par rapport à Shein. Plus vous l'utilisez, plus il sera en partenariat avec moi. Qui dit partenariat dit qu'il m'envoie les produits gratuitement, mais je ne suis pas payée pour. Donc, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai hâte de tester avec vous dans le vlog tout ce qui est organisation bijoux. C'est vraiment ce qui me manquait dans ma pièce beauté. Et comme ça, on en reparlera en même temps en commentaire mardi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.